Imaginez que chaque semaine, une équipe débarque chez vous, réorganise tout votre salon, installe une régie technique dans la chambre de vos enfants, truffe votre intérieur de caméras et vous filme en train de regarder la télévision. Voici le concept de Gogglebox qu'on pourrait traduire par la petite lucarne, l'émission hebdomadaire qui cartonne en Grande-Bretagne. C'est rigolo. Bon, c'est vrai, avoir chaque semaine l'équipe de tournage, c'est parfois un peu lourd. Mais c'est fun. Même si parfois, on nous demande de regarder des programmes qu'on n'aurait pas vus spontanément, c'est pas toujours ce qu'on aime. Incarnation de la famille typique britannique, les tapeurs font partie de la trentaine de téléspectateurs test sélectionnés à travers le pays. Rémunérés, ils représentent tous les milieux. Il y a le couple gay de Brighton, June et Léon et leurs 54 ans de mariage, les bourgeois du Kent, la famille pakistanaise ou encore les copines colocataires. Ils regardent et réagissent en temps réel au programme de la semaine, que ce soit le film romantique Ghost. Ah, je suis aussi bien foutu que lui. C'est ça. Je vais te faire ça, June. Dans une minute. Tiens, mets ma main sur ta poitrine. Le procès Pistorius en Afrique du Sud. S'il avait vraiment crié « Qui est là ?», sa nana aurait sûrement répondu « C'est moi, calme-toi ». Ouais, t'as pas tort. Le concours de l'Eurovision. C'est quoi ça? Je sais pas, me demande pas. J'ai vu quelque chose qui ressemble à une barbe. Et la victoire du travesti Conchita Wurst. Oh mon Dieu, on aura tout fait. Ou encore un voyage de Kate et William à l'étranger. Elle a quand même une sacrée paire de jambes. Ah ouais, elle est sexy. Avant sa diffusion, le concept a d'abord suscité l'indignation. Les gens ont dit, c'est la fin de la civilisation. Est-ce que la chaîne Channel 4 n'a à ce point plus d'idées pour qu'on en soit réduit à regarder des gens qui regardent la télé? Et 1 minute 30 après le début de l'émission, les avis se sont inversés et ça a décollé. L'émission fait rire des millions de téléspectateurs chaque semaine. Le concept a été vendu du Canada jusqu'aux télévisions chinoises. Et comme la France importe beaucoup de programmes britanniques, il est fort possible que Gogglebox arrive bientôt dans votre salon.